Bonsoir chers amis sportifs et amateurs de foot de Talus. Bienvenue pour cette première émission du Mercato de l'émission 2011-2012. Bienvenue à la Web TV. Salut Titine, salut Mario. Salut. Donc Mario, on te présente, hein, t'es la première recrue du FC Écublens pour cette nouvelle saison. Donc tout d'abord, on va solliciter l'entraîneur, on va solliciter Titine. Titine, qu'est-ce que tu connais de Mario ? Oh, bah, je le connais depuis longtemps quand même. J'ai vu jouer plusieurs fois à Tours. Un très bon joueur. S'il est venu ici, c'est que. On sait pourquoi. Est-ce que tu as des anecdotes à nous fournir sur lui ? Non, Mario, non. Je l'ai vu jouer une fois contre nous. C'est vrai que. Ils n'ont pas été très brillants, mais bon, disons. On a gagné et tout, mais bon, j'avais pas ça quand même. Donc Mario, on te remet le maillot officiel du FC Écublens. Ah non, excuse-nous, on ne devait pas le dévoiler, c'est la saison 2011-2012. Donc on te remet celui-là de l'année passée, en fait. Voilà. Merci. Donc on va te laisser le mettre, quand même. Hein. C'est quand même une fierté de porter le maillot écublanais, en tout cas pour Pelouf, surtout. Et pour nous, bien évidemment. Waouh. Bah écoute, Mario, bah, au nom de la Web TV, au nom du club, bah, on te souhaite la bienvenue. Au FC Écublens, on est ravis que tu viennes grossir un peu les rangs de la première équipe. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter hors foot ? Alors, Pisco pour Mario, 26 ans, de profession opticien. Célibataire ou pas ? Marié depuis le 14 mai. Wow. Donc mesdames, ouais, félicitations. Voilà, mesdames, je laisse à l'église religieuse, voilà. Ben, merci en tout cas pour tes présentations. Peux-tu revenir en quelques mots sur ton passé footballistique ? Alors oui, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à Crissier, la fusion Bussigny-Crissier jusqu'à 13 ans, 14. Après je suis parti au LS, où j'ai fait jusqu'au moins 17 espoirs. Quelques apparitions, enfin N17, et puis ensuite je suis parti, j'ai fait une brève apparition à Stade Lausanne, Crissier, puis et Bussigny entre temps, et Écublens aujourd'hui. Bah typiquement Mario, qui t'a contacté pour venir au FC Écublens ? Bah il y a eu des discussions internes avec mon frère qui fait partie du club, Titine, puis ensuite il y a eu une téléphone et voilà, ça s'est fait assez rapidement. Ah, merci Mario, moi j'aimerais, enfin je suis un petit peu curieux quand même, pour quelle raison tu viens au FC Écublens ? Pour me faire plaisir, j'estime qu'il y a des bonnes infrastructures, vous avez fait une superbe saison l'année passée, enfin j'estime que c'est venir deuxième. C'est une bonne saison, c'est je pense une équipe qui tient plus que la route et voilà, se faire plaisir. Bon gardien, pareil, hein, une rumeur. Mmh. Giroud, quelles ont été les qualités pour toi pour recruter en fait Piscopo ? Bon, Mario, au départ, je le voulais comme attaquant. L'année passée, je pense que s'il était venu, il serait venu comme attaquant. Cette année, il a d'autres ambitions, comme je lui ai dit. J'ai dit, de toute façon, dans cette équipe, tout le monde est polyvalent. Si j'ai besoin d'une autre place une fois, il joue à une autre place. Si j'ai besoin au milieu, il joue au milieu, il n'y a pas de souci. Je lui laisserai sa chance. Il va au challenge, je lui donnerai son challenge. La concurrence est là, j'adore ça. Moi. Justement, on va rebondir là-dessus. Mario, quelle place voudrais-tu jouer ? J'aimerais bien être défenseur, peu importe. Latéral ou dans l'axe, c'est égal. Ou en 6. J'aimerais bien. Un peu marre d'être offensif. D'accord, parce qu'on t'a connu justement en deuxième ligue très offensif. Et c'est surprenant ce choix. Ouais, c'est... J'ai toujours joué à cette place, j'ai toujours aimé jouer derrière. On m'a jamais donné la possibilité. Aujourd'hui, est-ce qu'on va me donner ma chance ? Je sais pas. Enfin, voilà. Un renouveau, il faut changer un petit peu. C'est vrai que Titine Giroud a sa défense idéale, je dirais. Mathieu Nideguer, Edgar Nzita, Daniel Alvarez et David Burnier.
À quel poste pourrais-tu jouer et à jouer et qui remplacer surtout? Les blessures sont vite là, il y a les entraînements pour ça. S'il faut mettre des boîtes, on mettra des boîtes. T'as juste oublié quelque chose, parce que tous ceux qui viennent ici, généralement, ils disent c'est l'entraîneur qui décide, il choisit, et puis s'il décide de faire jouer là, il est d'accord. Je n'oublie pas de le dire, parce que... Non, ça change pas. Pour une fois, il change. Non, mais c'est bien, c'est bien. Après, si y a cette place qui se libère, ben voilà, je suis preneur, s'il n'y a pas, ben j'attendrai, on verra. Après, s'il y a besoin d'autres places, ben je me mettrai où il y a de la place. Je suis pas compliqué. Et Titine, penses-tu le faire jouer latéral, libéraux, stopper? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Comme lui, comme il l'a dit, j'attendrai de voir s'il y a des blessures, s'il y a ci, ça. Il fera ses choix. Il aura sa chance comme tout le monde. Voilà. Il fera ses choix, hein, comme a dit Jeudi, Carmel, ou tout le monde, toute la suite. On a autorisé la chanson commune, non, c'est vrai que c'est une question vraiment sale. Donc on vous remercie de nous avoir suivis, chers amis internautes. Donc vous aurez le plaisir de découvrir Mario sur les terrains l'année prochaine. Ou pas. Ou pas, ouais. Bah selon les choix. Et Titine a dit qu'il ferait ses choix. Et puis on se réjouit de vous voir pour la prochaine émission du Mercato, la deuxième de la saison 2011-2012. Merci. Mi batte il corazón, ho visto Maradona, ho visto Maradona. Mamma,